La grande ferme, il s'en manque à moi. N'a point de vache, n'a point de camor, n'a point d'où ça va être. À vous. La grande ferme, il s'en manque à lui. Oui. N'a point de vache, n'a point de camor, n'a point d'où ça va être. Moi les pavés poilés, tous 5 km des affaires de la terre, au coin moi la vie de l'insecte. La grande ferme, ça manque à moi. N'a point de vache, n'a point de canon, n'a point d'où ça mène moi. À vous. La grande ferme, ça manque à lui. Oui. N'a point de vache, n'a point de canon, n'a point d'où ça mène moi. Alors, Michel Gontier, compagnie Pas de Jaune. Luc Dijoux, compagnie Pas de Jaune. Écoutez, il faut savoir que notre premier public, c'était les enfants. On a toujours travaillé avec eux et on faisait beaucoup de spectacles de rue, de spectacles de clowns, du théâtre. Et c'est toujours un bonheur de jouer pour les enfants parce que les enfants, ils sont catégoriques. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, par contre, ils le disent. Et on a cette chance aussi d'avoir travaillé avec eux et de ressentir beaucoup de choses avec les enfants. Donc c'est vraiment notre premier public. Merci. Ouais, c'est vrai que les enfants, c'est pour moi, c'est le meilleur public parce qu'ils dégagent un truc vrai. Ils sont spontanés. Spontanés, exactement. Et c'est formidable de jouer pour eux. La tenue de Pat John, en fait, c'est les tenues du dimanche que les anciens portaient à l'époque pour sortir le dimanche. Parce qu'il y a une tenue de la semaine pour aller travailler. Il y avait la tenue de la semaine, c'est-à-dire la tenue de la tenue normale. Hein. Et, toujours avec le chapeau, mais un peu dans ce sens-là. Et puis, quand il est arrivé le dimanche, il mettait un petit peu le chapeau comme ça, il mettait de classe, il mettait un pantalon, un pont pour aller à la messe tout avant. Et pour dire que voilà, c'est la sortie du dimanche, donc on s'habillait correctement. Alors, Pat John, c'est une des appellations qu'on donne aux petits blancs des hauts. C'est une des appellations qu'on trouve, soit on peut appeler Yab, enfin, c'est une des appellations parmi les Yab. Parmi tant d'autres. Il y a aussi Yule, Maoul, Litton, il y a aussi Pipléo. Tout ça, ça signifie le Yab. C'est celui qui habite, c'est le petit blanc qui habite dans les hauts. Mais pour Pat John, c'est celui qui cultivait le curcuma, le safran des hauts de la plaine des Grecs. C'est une des appellations qui donne au Yab. C'est ceux qui cultivent le safran. Et justement, comme disait Loïc avec les enfants tout à l'heure, c'est à force d'aller cultiver le safran et d'aller ramasser pieds nus, parce qu'ils travaillaient pieds nus à l'époque, même aujourd'hui encore. Et à force de marcher dans le safran, ils avaient le dessous des pieds jaunes. C'est pour ça qu'on les appelle les Pat John. Ah ben, une super tournée. On a fait Bordeaux, Rennes, Paris. Rennes et Paris. C'était des salles magnifiques avec des réunionnais et quelques ouvriers comme on dit chez nous, mais vraiment un super public à chaque fois. Il y a À moi il y a tout le temps. C'est un album qui a eu deux prix en 2023, qui a eu le prix Fnac et le prix Flamboyant. Ouais. Donc on a eu deux trophées. Pour l'album Meilleure Musique 2023, donc on est très contents et merci le public aussi parce qu'ils ont voté aussi sur les réseaux pour pouvoir élire le meilleur groupe 2023 et on en est très fiers. Non, là on a adapté un petit peu plus pour les enfants, mais demain ça va être le public, tout public, on va le faire un petit peu comme au cabaret sans le repas. Mais avec un peu plus de nouveautés sur le nouvel album justement, avec quelques chansons de l'album À moi il y a tout le temps. Merci à vous.